Attention, cette vidéo peut spoiler, gâcher votre enfance ou choquer les âmes les plus sensibles. Enfin, très sensibles. Vraiment très sensibles. Et voire de vous faire gerber. On voit bien que c'est une princesse. Pas besoin de couronne. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On saute le pas. Non, 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 tu oublies. Allez, on non, fait. Non, pas ce soir. Non. S'il te plaît. Non, j'ai mal à la tête. Mais c'est... On boit. Noble paysan, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des successeurs de Disney. Regarde-moi, là, y a pas un truc qui te choque ? Tu crois pas que je vais aimer cette chose, sérieux ? Et on en est qu'au menu ! Nous commençons donc à Londres la nuit. John Smith est vivant ! Une bande de gardes arrive pour l'arrêter, pour une soi-disant trahison. Disgrâce. Il a sauté du balcon ! Ah bon, on n'avait pas remarqué. C'est rangé à ma version des faits. Là arrive le méchant du précédent film, Radcliffe. On comprend donc qu'il s'agit d'un complot contre John Smith. Dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver cet homme. Oh, voilà comment périt John Smith. Mais oui, c'est bien connu, tomber de 10 mètres dans l'eau, ça tue. Ils nous prennent pour des débiles, non mais sérieux. On se retrouve ensuite en Virginie, là où le peuple de Pocahontas travaille. Et voilà, pendant que les autres bossent, l'autre elle s'amuse. Non mais, quelle bonne image pour les princesses. Tu vas arrêter le film toutes les 10 secondes. Ah, c'est toi qui l'as voulu, hein. Non mais, regarde la boussole, là. John Smith. C'est très délicat, très minutieux. Bravo les gravures. Bien des mois ont passé depuis l'annonce de la mort de John Smith. Merci pour le couteau dans la plaie, connasse. Les oiseaux fuient vers l'équateur. L'ours endormi dans son abri. Oh, aïe, oh, oh là là. C'est qui, lui, là ? Au seuil de mon avenir est une chanson sympathique, même si le refrain est beaucoup plus entraînant que le couplet. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Du coup ? Hein ? Pardon. Tu disais ? Qu'est-ce que tu penses de cette musique ? Elle est pas mal, quand même. Stop, stop, stop. Arrête, coupe, coupe, coupe tout. Arrive le fameux John Rolfe qui vient pour parler au chef des Indiens. Il n'y a plus de danger. J'ai fait le nécessaire. Est-ce que je t'ai demandé ton aide ? Non, et tu ne m'as pas non plus remercié. Que fais-tu des bonnes manières et de l'étiquette ? Oh. Mais c'est pas possible. Puisque tu es nouveau ici, tu n'as sûrement pas eu le temps de les apprendre. Les femmes. Pardon ? Pour convaincre les miens, j'aimerais que vous acceptiez de rentrer avec moi et de rencontrer mon roi. Je pars avec eux. Tu as l'esprit de ta mère, chère petite. Puisque tu le souhaites, qu'il en soit ainsi. Pocahontas ira demander conseil à Grand-mère Feuillage. Et qui lui conseillera d'écouter son cœur ? C'est étonnant, hein ? Aïe, non,
ne me dis pas que tu as peur de traverser les eaux salées. Si je n'obtenais pas la paix, si j'étais destinée à échouer. Non, mais ma chérie, calme-toi. Chut, déconne. Stop. Ta gueule. Tu entends ce que cet esprit essaie de te dire? Ce que cet esprit essaie de me dire? Ce que cet esprit essaie de me dire? Crie de m'essayer, c'est de ce que... Crie de me essayer, c'est de ce que... Vous n'auriez jamais dû faire ce film de merde. T'es barré, hein. Il va nous accompagner? Tu vas nous accompagner? Je dis, tu écoutes, coucou, 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 coucou. Tu veux voir ma... Anna, père. Anna, père? Anna-o, père. Dana-o, père? Voilà. Ennui. Et voilà, les scènes qui n'en finissent jamais. On sait très bien qui va se la taper. Princesse. Quoi? Ben quoi? C'est vrai. Beau petit cul. Arrivée à Londres, une nouvelle musique commence. Et j'avoue que, comme la précédente, elle est assez... Naze, oui, tu peux le dire, hein, entre les paroles cucu et la justesse de Pocahontas. Non mais merci, quoi. Radcliffe arrive et apprend à Pocahontas que le roi a donné l'ordre de tuer son peuple. Ne me dites surtout pas que vous l'ignoriez. Le roi a besoin de son or. Et il la piège en la faisant inviter au bal annuel où elle devra avoir un comportement parfait. Comme Anastasia, quoi. Encore une référence. Je vais préparer un peu de thé. Elle devra donc apprendre à se tenir comme les Londoniens et revoir sa garde-robe. Anastasia, quoi. Comment me trouves-tu? Oh oui, j'aime ça. Vous sentirez si bon que Johnny vous prendra par la main. Oh, voyons. De vraies chanteuses sont demandées dans le film. De vraies chanteuses, merci. Tu es insupportable aujourd'hui. Oui, je l'ai voulu, je sais. Je crois que vous impressionnerez le roi. J'ai un cadeau pour toi. Il est magnifique. Et on voit Radcliffe manigancer un truc avec la sorcière de Blanche-Neige qui presse la bourse. J'aime trop les bourses aussi. Une fois Pocahontas toute préparée et coiffée comme une choucroute, glisse dans les escaliers. Oui, c'est le mot. Tu es vraiment sublime. Meu Deus do céu! En quelle planète je suis? Ça s'appelle de la poudre. Lord Raymond et Lady Teresa. Son Excellence le Comte des Sexes. Des Sexes? Des sexes. Heureusement que Smith est mort et enterré. Les fluctuations de votre cœur l'auraient certainement anéanti. Après la petite danse, on se retrouve au repas où il y a un dîner-spectacle où il y a de la vraie magie. Oh, mais il chante sans fin! Le piège de Radcliffe se dévoile. La suite du spectacle est un ours maltraité. Ce qui fera bien évidemment réagir Pocahontas. Bon, elle en a croisé un dans la rue sans rien dire, mais bon, sautons!
C'est vous les véritables sauvages. Ah bah voilà, elle se bouge enfin. Et votre peuple qui aide des barbares. Elle retourne l'insulte de sauvage contre le roi et son peuple. Pourrait-on savoir à qui va votre loyauté? Non mais sérieux, cette tête de con. Pocahontas fut donc emprisonné, et contre toute attente, John Smith revient. John Smith revient. Et va aider John Rolfe à libérer Pocahontas. John Smith. Tu montes ou tu cours? And I need you, and I miss you, and now I wonder. Ah bon, on n'avait pas remarqué. Pochtronas se rend enfin compte que toute une partie du film a été inutile. Elle se rend compte qu'il faut qu'elle aille voir le roi en étant elle-même. Et... de mon avenir. Non, au secours. Elle veut nous vendre son single de merde. Yoki, Yassi, dépêche-toi. Au secours. Les conseils de princesse. Mieux que le kimono de Mulan, l'eau de Poca. Une goutte vous suffira, l'eau de Poca. Youhou, c'était les conseils de princesse. Ce que cet esprit essaie de me dire. Ce que cet esprit essaie de te dire. Ce que cet esprit essaie de me dire. Ce que 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 tu as perdu la tête. Je me suis dit que tu aurais besoin des pouvoirs de ce bijou. Mais non, il a pas de pouvoir, c'est juste un caillou ramassé par ta mère. Elle réussira à convaincre le roi vraiment trop facilement d'ailleurs. Que tout a été manigancé par Radcliffe. Il faudra donc que nos héros aillent arrêter cet antagoniste avant qu'il n'attaque le peuple de Pochtronas. Arrive le moment fatidique du film pour les fans, la rupture entre John Smith et Pocahontas, parce qu'ils n'ont plus le même objectif. Puisse le grand esprit de la vie veiller sur ta route. Pourquoi je déteste cette chose? C'est parce que ça met John Smith en flirt pour Pocahontas et que ça transforme le premier film en détail. Détail. Non mais c'est n'importe quoi. John Rolfe, il est bien sympa, ok, mais son image, là, ce qui reflète, Que fais-tu des bonnes manières et de l'étiquette? Ça colle pas du tout avec la nature de Pocahontas. J'ai raison ou pas? C'est une soirée sexe, monsieur. Juste ciel. Oui, mais la vraie Pocahontas, elle s'est mariée avec John Rolfe. John Smith n'était qu'un ami. Mais le premier film était certes une fiction, mais un vrai chef-d'œuvre, on peut le dire. Si tu mets à la suite le deuxième, le premier perd tout son sens. Il devient carrément inutile. Détail. Mais c'est bon, je vois le préféritisme. L'étiquette. Ah, le générique. Ta gueule! Oh là là, Yuki, Yuki, reviens, reviens. Écoute-moi bien, ma chérie. Ton sourire laisse penser qu'une chose te torture. Ton regard le dit, parle-moi, je t'en conjure. Oui, tu t'es construit un amour, mais c'est fini. Ton petit coin de paradis s'assombrit. Donc retiens bien, petite, écoute ton cœur.
Il aimerait te parler, écoute ton cœur. À quoi bon résister? Je ne sais pas où tu vas, et je ne sais pas pourquoi, mais écoute ton cœur. Avant de lui dire adieu. Mais elle est partie, petite garce!